Je suis pour ce qui me concerne cavalier. Quand je, dis que je suis cavalier, je veux dire que je monte sur un cheval. Autrement, je ne suis pas du tout cavalier, je ne me comporte pas de cette manière-là. Et il m'est arrivé, pas souvent, je suis assez bon cavalier. Mais il m'est arrivé tout de même, pour faire le beau, notamment, il y avait des dames là, alors, euh, monter très hardiment sur le cheval et emportées par mon élan, retombé immédiatement de l'autre côté. Et quand il y avait plusieurs montures à ce moment-là, j'ai pu vous. Certifié qu'elle restait d'un sérieux imperturbable, alors même que les autres s'esclaffaient bruyamment. Donc, il est assez vraisemblable, quand même, que, en effet, nous soyons les seuls mammifères à être capables de rire. Je suis un médecin, généticien, un biologiste, et à ce titre, lorsque je dis le rire est le propre de l'homme, immédiatement après vient une exigence pour moi, qui est pourquoi le rire est-il le propre de l'homme En tant qu'évolutionniste, tous les comportements humains, les caractéristiques humaines, doivent avoir une raison, une signification évolutive. Cela veut dire qu'il faut proposer un mécanisme, expliquant le fait que l'apprentissage du rire de type humain, c'est-à-dire pas simplement le rire réflexe, est constitué un avantage sélectif. Et en tant qu'il est avantagé ceux qui en étaient dotés par rapport à ceux qui n'en étaient pas, qu'il a été conservé par l'évolution. Le principe de l'évolution est cela. En permanence, le programme des propriétés biologiques des êtres, porté avant tout par les gènes, subit des modifications aléatoires, engendrant des propriétés nouvelles, la plupart disparaissent, mais quand ces propriétés confèrent un avantage net, alors elles sont conservées. Si bien que pour expliquer les comportements de tous les animaux, y compris du mammifère humain, <coughs> on doit être capable de proposer un scénario d'apparition de tous ces traits. Quel est donc le scénario permettant de rendre compte de l'apparition du trait le rire propre de l'homme